Salut tout le monde, c'est MLG, on se retrouve pour le sixième épisode de Lylat War 64 au Star Fox 64, c'est vous qui voyez. On va se lancer tout de suite sur le satellite. Allez, au parcours suivant. Donc cette galaxie. Ce satellite, c'est pas une planète, hein. Ce satellite, on l'a déjà fait dans l'épisode 3. Exactement pareil que pour Venom, sauf que bah là, c'est la même chose. C'est à vous de voir si vous voulez regarder cet épisode ou non, tout en sachant que si vous ne le regardez pas, vous ne perdez pas grand-chose, puisque de toute façon, c'est la même chose qu'il y a eu pour l'épisode 3. Bref, pour ceux qui sont toujours là, on va détruire ces boucliers. Hop là. Hop là. Allez. Et yes, c'est bon. Ah si, pour les autres, avant que vous partiez, même si j'aurais dû le dire avant, je vais utiliser une autre méthode pour vaincre Andros. Une technique que j'ai pas utilisée dans l'épisode 3, tout simplement. Parce que ça m'avait échappé. Et on m'a fait la remarque, du coup, je vais l'appliquer. Tiens, meurs. Alors, ici, il y a pas mal de monde. Oh, qu'est-ce que tu veux? Elle a toujours des ennuis, celle-là. Alors, où est-ce que tu es? Ah oui, effectivement, t'as du monde aux trousses. Oh. Lâche. Oh. Fini de jouer, Star Fox. Oh, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Finalement, c'est pas tout à fait pareil, hein. Eh ouais, parce que l'équipe Star Fox, Star Wolf, on le rencontrait sur une autre planète. Et vu que je les ai pas rencontrés, eh bien ils sont là maintenant. Allez, on bourrine comme un bourrin. Allez. Non, tu m'échapperas pas, toi. Oh, on se calme là. Hein. Hop là. Donc en gros, il va falloir qu'on détruise la team Star Wolf. Hey. Il est derrière, je sais. Je vais d'abord sauver Falco. Hey. Ok, ils sont trois derrière moi. C'est pas très cool. Allez. Oh, il y a du monde. Petite bombe que j'ai lancée trop tard. Je vais en profiter pour détruire ça aussi. Go! Ils sont encore à mes trousses, hein. Allez! Andrew, t'es fini! Allez, toi aussi. Ah ah! Qu'est-ce que? Eh ouais, je te suis. Je te suis, mon pote. Et voilà, Wolf, c'est fini. Attends, il n'y a plus qu'à détruire ça. On ralentit un petit coup. Ouh, ça tire. Ouh, ça tire. Ah. On va aller récupérer la boîte que... on m'a laissée. Elle est là. Yeah, je récupère toute ma vie. Il y a du monde derrière moi. Ok. 162 kills, ça fait plaisir, hein. Allez, il faut que je détruise ce bordel là-bas. On ralentit. Ça, c'est chaud là, hein. Il y en a toujours derrière moi, c'est chiant ça. Allez. Ils sont où, ces trucs-là? Ils sont là. Tu le détruis, s'il te plaît. Voilà! C'est terminé! Alors, pour toutes les personnes qui sont restées... merci d'être restées. Pour toutes les personnes qui sont parties... vous n'entendrez pas ce message, sauf si vous revenez après. Mais il fallait pas partir. Eh ouais! Parce que même si c'était le même satellite... le niveau ne s'est pas passé de la même façon. J'explique. Dans la partie facile,
Je ne sais plus sur quelle planète c'était. Que je me souvienne. Non, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de quelle planète c'était. Mais on avait rencontré la team Star Wolf. Cette team là, nous ne l'avons pas rencontrée encore dans le mode moyen. Sauf là maintenant, c'est chose faite. Et dans le niveau difficile, on va la rencontrer sur Venom. Oh, j'ai spoil! Donc, la prescription, le jeu est sorti il y a un moment. Allez! Maintenant, on va se faire plaisir. Et de retour sur Andros. Bim! Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Te mets pas devant moi, Pépi. Y en a combien comme ça? Bah là j'en ai tué 50. Alors par contre, est-ce que je vais réussir à faire mon looping là? Yeah! Ça c'est la méga classe. Faut que j'arrête de crier dans le micro. Ok, il y en a plein là-bas. Ça fait tellement plaisir de tous les détruire d'un coup avec une bombe. Sauf que là, des bombes, il m'en reste plus qu'une. Donc on va essayer de les économiser. Tiens, bouffe. Ok. Ça, ma jauge d'énergie, elle est bien pleine. Mais te mets pas devant moi. Eh, qu'est-ce qui te prend? Bah, c'est à moi que de te dire ça. Alors, dernière fois, on a suivi Falco. On va suivre Pépi maintenant. Oh, il y a du monde devant, il y a du monde derrière. C'est la foire. On va rester à droite. Bombe. Trop de monde, trop de monde. Oh, fait mal. Vas-y, venez. Ok. Ah, par contre, j'ai intérêt à faire gaffe au rocher, voilà, exact. Ouh. Bon bah tant pis. Ah bon, on récupère ça. Une bombe. Ah, ça fait plaisir. Je vais à droite. Et bah je te suis encore une fois. Bim. Bim. Attention Fox. Qu'est-ce que c'est que tous ces cubes qui apparaissent là? C'est dangereux hein. Oh, ça fait mal. Ok, on arrive à l'endroit où toute mon équipe vont tirer sur un seul et même point. Voilà, ici. Allez-y, pétez ceci. Voilà. Ah, je vois pas Falco par contre. Ah, il est là, Falco. Ah, toute mon équipe est là. Et d'ailleurs, toute mon équipe a tenu tout le long. Hein. Ça fait plaisir. Non, d'un petit bouchon, c'est quoi ça? J'ai un petit peu la trouille, tu peux. Hein. Alors, est-ce que je peux directement l'attaquer? Je m'en souviens plus, moi. Allez, fonce. On va attaquer ses pieds. Voilà, ses pieds, c'est fait. Son dos. Ses fesses en même temps. Et une bombe. Tiens, déguste un petit peu. Wow. Ses épaules et ses bras. Hop là, son autre épaule et ses bras aussi. Oh. Oh, ça pique. Wow. Il me reste encore ses épaules à toucher en fait. Putain, c'est tendu hein. Bon, je vais bientôt destroy, mais bon, quand même. Calme. Il reste plus qu'une épaule à toucher là. Voilà, maintenant la tête. Allez, dégagez. Voilà, et son corps. Meurs. Meurs. Explose en mille morceaux. Il va tomber. Il va mourir. Et en plus, il explose. Très bien, Fox. À toi de jouer.
Comme d'hab. Alors, on voit là Ilat, il s'appelle pas Fox, il s'appelle Abe Abe. Drôle de nom. C'est parti. Je t'attendais, Star Fox. Alors, la technique pour vaincre Andros que je vais utiliser, je vais vous la dire tout de suite. C'est une chose que j'ai pas faite, pourtant je le savais. C'est d'attaquer ses yeux. Ce qui fait qu'on va le rendre aveugle et incompétent pendant un certain temps. Pas longtemps, hein. Ce qui va nous laisser le temps, largement le temps, de détruire ses mains. Voilà la méthode que je vais utiliser. Yeah. Tu mourras comme ton petit papa. Non, je ne mourrai pas comme mon papa. Te voilà, Andros. Je vais te crever les yeux. Sac à patate. Pour éviter de dire de gros mots. Allez, je te crève les yeux. Ah, t'as mal, hein. C'est pas tellement... Oh, ça j'aime pas ça. Tiens. Tiens. Tiens, l'autre main aussi. Voilà, tiens, bouffe. Allez, tiens, bouffe. Mais bon, c'est rapide, hein. Youhou. Youhou. Boum. Boum. Ciao Andros. J'ai vaincu Andros aussi rapidement que j'ai pu vaincre le boss sur Solar. Fin de compte, vous voyez, il suffit de bourriner le bouton A et ça va très bien. Très courageux, Fox. Oui, je sais. Le score général est de plus de 1000. J'ai vaincu, ça se dit pas. J'ai battu mon précédent record. Tout en sachant que là on a pu garder tout le monde. Et ça fait plaisir. Du coup, le générique de fin, on l'a déjà vu. Du coup, je vais dire ce qui va se passer par la suite. Et je vais regarder le générique de fin avec vous. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez couper ou pas. Peu importe, de toute façon à la fin il y aura rien après ce que je vais dire. Donc pour le prochain épisode, nous allons nous attaquer au niveau difficile. Et avec le niveau difficile, je vais remettre les voix anglais. The. Parce que les voix Lailat, j'aime pas trop. Enfin, c'est sympa. Mais bon. Le Do a Barrel Roll, c'est quand même ultra connu. Et tapez ça sur Google, vous allez voir une petite surprise. Do a Barrel Roll. Tapez ça sur Google, vous verrez. Tellement que c'est connu. Et ouais, donc je disais, je vais remettre les voix anglaises, on va enlever les voix Lailat, on fera le chemin difficile. Donc toutes les autres planètes qu'on n'a pas fait, eh bien on va les faire, et on va avoir la vraie fin. Parce que là, ce n'est pas la vraie fin. Donc à vous de voir si vous voulez couper la vidéo maintenant ou pas, peu m'importe. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'épisode, je vais devoir marquer mon pseudo pour enregistrer mon score. Donc pour ceux qui partent maintenant, ciao. Pour ceux qui restent, merci. Toujours agréable la musique. On se retrouve encore une fois sur Carnaria. Ça ne change pas. J'aimerais rectifier aussi une petite chose que j'ai dit. Dans les premiers épisodes, je sais plus si c'est le premier. Non, c'est le deuxième épisode, il me semble que j'ai dit ça.
Je disais que l'équipe Star Wolf, c'était pas la première fois qu'on voyait, c'était sur Star Wing. Mais c'est faux. C'est sur Star Fox 2, un jeu qui n'est pas sorti. Malheureusement, pourtant, il était finalisé quasiment à 99%. Mais c'est dans le Star Fox 2 qu'il y a Star Wolf qui apparaît. Donc officiellement, et je remercie mon dessinateur Wolforan de me l'avoir dit, officiellement c'est sur l'Islet Wars 64 qu'on rencontre pour la première fois la team Star Wolf. Oh. Là, tu vois, ce qui aurait été sympa, c'est de mettre des sous-titres. Parce que lui, il parle, on comprend. Ah que d'accord, ah que j'ai pas compris. Et là, il court. Il court, il court, il court. Je me tais pour la musique. Je voudrais que Smosh McGroove la fasse cette musique en a cappella. Ce serait épique. Ne vous inquiétez pas, on va lui faire sa fête en mode difficile et pour de bon. Ok. Place 1. Voilà. Mon précédent record était celui-ci. Tout en sachant que cette partie-là, elle était un petit peu faussée parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Et d'ailleurs, j'espère que là, je suis pas en train de parler pour rien, que ça enregistre toujours bien. Hein. Allez, sur ce les gens, portez-vous bien et à bientôt pour la suite des aventures de Star Fox 64 ou Lilat War 64 en mode difficile cette fois. Ciao.